oui, c'est bien le début d'un vlog, les gars. Et ben, j'ai envie de vous dire, c'est parti pour de nouvelles péripéties. Aujourd'hui, on part avec la maman de Maëlle et sa petite sœur. Donc là, on va chez eux, on les récupère et on file direction l'aéroport. Allez, ni une ni deux, on se rejoint dès qu'on est à l'aéroport. Salut. On a récupéré la maman là-bas. Fais coucou maman. Et on y va, on est arrivé à l'aéroport. Direction l'enregistrement, directement on y va. C'est avec l'enregistrement des bagages, bien évidemment. Là c'est une attente sans fin. On attend pour rentrer dans l'avion. Du coup on était censé partir à 55, il est 52. On est toujours pas dans l'avion donc on partira pas à l'heure. Ok, pour changer. Pour changer. On finit par arriver à l'avion, il est juste là, on va embarquer dans 2 minutes. Regardez, on a pris un paquet de chips à l'aéroport, on est dans l'avion, il a gonflé dans tous les sens à cause de la pression. Donc là on est au-dessus d'Ibiza, on va atterrir à Ibiza juste là et nous on va à Formentera en bateau, donc on va sur la petite île en face là. Atterrissage. On a bien atterri à Ibiza, maintenant on va changer d'île. Là on a pris un bus, on va prendre un bateau pour aller à Formentera, on va voir ce que ça va donner. On est arrivé, le bateau nous a posé au port de Formentera et on est à 5 minutes à pied de notre logement. Donc feu le logement, normalement il est très très beau le logement, mes cheveux pas comme mes cheveux. Bon, voici du coup notre petit chez nous, donc là une première chambre ici. Vas-y, ouvre pour voir un petit peu la vue, il y a la clim et tout, les gars, il fait super frais. Ah, l'autre sens. Ah, c'est une petite fenêtre, mais oh, mais regardez la vue, les gars. C'est trop beau. Oh, mais trop bien, une petite salle de bain et tout quoi, c'est génial. Attends, c'est une douche aussi? Mais non, c'est pour se nettoyer les... Ah ouais, c'est une douche toilette. Bon. Hop, une autre salle de bain ici. On a les serviettes et tout. Elle est trop belle, la salle de bain. C'est tout propre. La deuxième chambre. Et là, regardez le salon. Comment c'est trop beau. Le soleil qui se couche, ça commence à être orange. C'est magnifique. On a une petite terrasse, enfin une grande terrasse, quand même grave sympa, petite table et tout. On est bien installé, c'est super chaud dehors. Regardez la vue, on a un palmier juste là, c'est top, c'est magnifique. Regardez ce magnifique petit restaurant qu'on s'est trouvé pour ce soir, notre premier petit soir. On espère qu'il y a de la place, on attend, mais ça a l'air très beau. En face du port, pas de bateau. Regardez notre magnifique repas, petite pizza saumon, les pâtes à la tomate et burrata. Les burgers, et voilà, bon appétit. On fait une petite balade après le resto. Mais les gars, là où est-ce qu'on est, c'est vraiment magnifique. On visite, mais les gars, vraiment, c'est incroyable partout. Genre, on marche dans des petits, je sais pas si on appelle ça des sentiers, mais genre, même la route est belle, genre. On est vachement dans le noir, là. Ah, il y a des toiles d'araignée, je crois. Bon, voilà que s'achève la première journée de vlog. On est bien arrivé, on a fait nos marques, tout s'est bien passé. Puis les oiseaux, vous entendez? Non, là, j'abuse un peu. Vous entendez? Non, en fait, j'abuse pas. Demain, on va voir ce qu'on va faire. Voilà, donc à demain. Pouf, elle a même pas eu peur. Bon, les gars, ce matin, on s'est réveillé à 10h, on a pris notre petit déj, on est déjà à bord des vélos. Je pense qu'on est plutôt sympa ici. Toute la troupe derrière, là. On est pas mal. Franchement, les vacances commencent plutôt bien. On va directement à une plage. C'est censé être magnifique, donc on y va, mais c'est trop beau, regardez. Regardez cette magnifique route genre pour aller à la plage, genre c'est trop bien, il y a la mer juste là, ça sent bon, il y a des bateaux, c'est trop bien. Arrivé à la mer là, l'eau elle est archi claire encore, c'est trop beau. Vas-y, va te baigner. Oula, j'ai failli en avoir partout. Ça fait du bien. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une excursion poisson. Les gars, l'eau est juste incroyablement chaude. On a déjà pris nos premiers coups de soleil, je vous avoue. On essaie de faire un petit peu attention parce que bon bah on s'en rend pas compte, mais on a fait 20 minutes de vélo sous le cagnard là. Oui, on dit ça, cagnard. On va tout l'eau. Bonne visite. Bon les gars, on vous a pas oublié, loin de là, c'est juste qu'on en profite un peu de la famille. Ouais, attends, on profite un peu de la famille, on profite des plages et tout ça, on fait pas forcément grand chose pour le moment. On vient de louer un véhicule. Allez, vas-y maman, explique ce qui vient de se passer. On
a pu avoir la voiture sans avoir le permis. En papier quoi. Oh, alors parce que ma mère, la seule truc que je lui ai dit, pense à ton permis parce que personne n'a le permis et si on a besoin d'une voiture ici, voilà. Bon, elle a oublié le permis donc on l'a en photo. Premier truc de location de voiture, elle nous a dit non, c'est pas possible. En photo, c'est mort. On est allé sur une autre, elle nous a dit oui, oui, t'inquiète. Donc elle nous l'a fait. Donc on a réussi à avoir notre voiture, donc on va pouvoir se balader. Mais la dame, trop bizarre, on a cru qu'elle allait chialer à côté de nous. Genre, trop bizarre cette fille, nous a la réservation. Bon bah, regardez, on a notre magnifique petite voiture. Attendez, on dirait pas, mais en vrai, elle est bien. Genre, c'est une petite Polo bleue. Trop bien. Allez, on y va. La daronne qui conduit, elle transpire. Hein. Elle a peur, la maman là. Elle a peur, la maman là. Faut pas qu'elle fasse des conneries là. Il y a un petit truc qui s'est affiché. On voit pas bien, mais il y a un petit volant orange. Et ma mère galère à tourner le volant. Et ça veut. Il y a un moment où ça bloque le volant. Bah, juste après que je vous ai dit ça, la voiture elle s'est arrêtée. Elle s'est coupée. Il y a plein de voyants qui se sont allumés. Elle s'est éteinte. Genre, comme si on était en panne. On s'est garé un peu plus tôt que prévu pour être sûr de pas retomber en panne. Mais les gars, c'est la merde. La merde. On a demandé une eau pétillante pour 4. C'est une bouteille de. Bah, une bouteille normale. Pour une personne là. Attention, elle s'est vénère la daronne. Et voilà la bouteille d'eau qui vient d'arriver. Donc à tout moment. Ça fait une demi-heure en attente, tout ça pour avoir des pâtes avec de la sauce tomate dessus alors que c'est des pâtes bolo. Genre, où est la viande? Et ben moi j'ai ça avec trois petits bouts de tomate, comme ça c'est n'importe quoi. Et on est dans du sable, on s'enfonce dedans. Normalement quand t'es au port c'est dur. Regardez les pieds de ma mère, ils s'enfoncent dedans. On n'arrive pas à trouver une place gratuite. Les places gratuites ici n'existent pas. On trouve une place où on peut y rester la nuit parce que du coup on a loin un véhicule. Mais il faut pouvoir garer maintenant le véhicule. Le bolide. Bon, ce soir on mange à la maison et ma mère a pris de la crème. De la crème ou du lait? Non, non, c'est de la crème. Il est en train de regarder le coucher de soleil. Les gens sont en train d'applaudir parce que le soleil vient de se coucher. D'accord, bon. Bah ça se passe tous les jours, voilà. Bonjour, bonjour, on est jeudi, déjà le jour 4. On fait pas grand chose de ce vlog, du coup on va faire un big vlog je pense de tout ce qu'on a fait. On est épuisé, on a chaud, il est 13h, on va chercher la voiture et on va aller dans une crique. Et vous, on m'a pas vu dans le vlog hein. Bonjour, pas vu grand chose dans le vlog depuis le début. Cette chaîne aussi. Ouais, c'est pour ça qu'on va faire un gros vlog je pense de tout. Voir si, alors à part si c'est trop, on coupera en deux. Oui, on vient. Et on est en train de faire de la rando pour aller trouver une petite crique sympa normalement. Plus que 450 mètres. Et les gars, le petit lézard vert là, c'est trop beau. Donc on va prendre des tout petits endroits pour aller là-bas. Oh là là, c'est magnifique. Tu brilles des mille feux, moi, cette eau claire. Elle est tellement claire, on voit pas très bien sur la caméra, mais on voit les gens nager là-bas et on voit l'ombre des gens dans l'eau tellement c'est clair. Bon, il y a un peu de monde en fait, mais on va se débrouiller. On a fini notre première petite baignade et là, regardez, on marche sur le bord comme ça, le bord. Regardez là-bas, ils sont là-bas. Regardez comment c'est fin là. Wouhou! T'es vachement en contre-jour. Là c'est mieux. Tu me filmes? Oui. Aide sa mère pour la recette. Elle dit que ce serait toi. Mais Michel, elle se fait. Bah oui, toi tu dis rien. Chut, on va prendre le petit déj. Retrouver un petit restaurant encore bord de mer, c'est magnifique partout. Deux petites salades de tomates avec je sais pas si c'est burrata ou mozza, coupez pour voir. Ah ouais, ça a l'air très bon. Bon, au final, hein. J'ai une tentacule. T'as une tentacule? Ouais, j'ai une mini tentacule. Bah goûte. Et des petits calamars. Et moi j'ai demandé des cordons bleus, c'est les cordons bleus maison et il y en a deux. Ouais, c'est énorme mon assiette. Goûtez un bout de tentacule alors. C'est bon. Et la Mimou il se dit merde. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est trop beau ici, partout. Vous êtes belles toutes les deux en vert. Vert bleu là. Il oh, y a le flash et tout quoi. T'es lumineuse maman. On s'est pris des sangrias ce soir. On connaît pas avec Léane, on va goûter. Maman connaît, mais nous on connaît. Ah bon? Oh bah oui. Ben moi non. Bah je vais goûter l'expérience tout de suite. C'est au vin rouge? C'est ah, c'est très très bon. Bon, moi j'ai repris exactement la même. On est dans le même restaurant parce qu'elle était incroyable. Mais regardez ma mère ce qu'elle a pris. Oh, il y a une grosse burrata dessus. Je sais pas si vous voyez. Elle est oh magnifique. My God. Ça donne trop faim. Maman, tu vas me prêter, hein? Non. Et les deux petites salades César. C'est vraiment incroyable. Bon appétit. T'as pas l'air en forme, José. Comment tu sais? Il te l'a dit? On dirait un lion. Nous voilà au regroupement du soir. Les chicots. On est dans un resto le plus bruyant du monde, je pense. Tu m'entends, hein? Et on s'est pris 4 pâtes bolo, bon appetito, bon appetita, et voilà. Voilà qu'on part de l'appartement, c'est terminé, tout est rangé, on y va. Il y a un coca là.
Voilà, t'attends. Ils sont pas là pour le ménage. Au revoir. Il y a carrément un bus de luxe que pour nous. Pour retourner à l'aéroport, regardez les sièges et tout. La classe, on est dans une Mercedes bus. Excusez-nous, hein. D'ailleurs, on ne vous est pas prévenu, mais on a eu 2 heures de retard. Maintenant, on va prendre un bus pour rentrer, enfin pour aller dans l'avion. Ah, il fait beau là. On n'est pas dans l'avion là, on est dans le bus. On est dans le bus là. Arrête. 5, 4, 3, 2, 1. Ça y est, on sort de l'avion. C'est donc là que c'est fini les vacances. C'est donc là que c'est fini. Déjà parti les deux, elles se sont marrées tout le vol. Le vol il a été mouvementé comme jamais. Pite ce vol. Il est 20h. Ouais, il est 20h quand même. On récupère les petits bagages pour finir. Vous avez vu, j'ai pas la même coupe qu'à l'aller. Voilà, on attend les valises, on en a déjà une. C'était la première qui est arrivée, on était à fond, elle était déjà là elle. Bon, ben voilà la fin de cette vidéo vacances YouTube. On espère que ça vous a plu ce petit vlog. On a invité ma petite maman et ma soeur pendant ces vacances et voilà. Merci d'avoir suivi les aventures. Abonne-toi et tout ça, tu connais. Gros bisous.